Alors, le droit à l'alimentation, c'est d'abord l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que c'est un droit international. C'est des discussions qui sont mises en place toujours au niveau international avec des personnes qui l'ont défini, telles que Jean Ziegler ou Olivier de Schutter, qui ont défini l'accès à l'alimentation et des critères comme le besoin d'arriver à avoir une quantité suffisante, une qualité suffisante, que ça devait être associé au respect et à la dignité des personnes. Donc il y a cette dimension culturelle aussi dans le droit à l'alimentation. En termes de droit français, ça a été traduit au niveau de la loi de modernisation de l'agriculture en 2012. Donc on a une définition qui se rapproche relativement des textes et de la définition de Jean Ziegler. Donc le droit à l'alimentation, c'est un droit qui existe à différents niveaux, international et national. Alors, ça concerne principalement l'accès à l'alimentation. Alors, bien sûr, il est question de ressources, mais des ressources et d'un accès au droit d'une manière plus générale. C'est-à-dire que le fait de ne pas accéder à un droit comme celui du droit à l'alimentation, c'est aussi le fait de ne pas accéder à tout un tas d'autres droits, comme le droit au logement, le droit au travail ou le droit à l'éducation. Donc il y a cet enchevêtrement d'un non-accès au droit pour toute une catégorie de la population, et souvent en situation de grande pauvreté, de précarité. L'État a délégué. Et c'est bien toute la question en fait, de cette délégation-là au milieu associatif, sans lui donner les moyens de pouvoir répondre correctement aux enjeux du droit à l'alimentation dans toute cette dimension, et notamment le fait de respecter la dignité des personnes. Donc les associations se retrouvent finalement en charge de cette mission de nourrir les personnes à la place de l'État, qui va les aider en reversant une forme du fonds européen, par exemple, ou par d'autres subventions, mais qui ne va pas en fait, entendre le besoin des associations pour pouvoir aller plus loin dans le respect des droits des personnes. Du coup, les associations, elles prennent en charge ce rôle-là, mais ce qu'elles absorbent, c'est le non-respect d'un droit, et le non-respect d'un droit, c'est une forme de violence qui est exercée du coup par l'État, du fait de ne pas répondre à sa mission clairement lui-même. Et donc, les associations, bien au-delà de distribuer de la nourriture, elles maintiennent la paix. Et ça, je pense que c'est important à avoir en tête, parce que si elles s'en vont, on peut en effet se dire qu'il y aurait des événements tels que des émeutes de la faim ou des épisodes de violence, parce que pour le moment, ils la contiennent. Et toute l'ambiguïté est là, c'est-à-dire que est-ce que le rôle des associations, c'est de contenir une violence de l'État ou de nourrir les personnes? Alors bien sûr, la réponse, elle n'est pas noire ou blanche. Il faut trouver un équilibre pour permettre aux personnes de s'en sortir et répondre à une urgence alimentaire. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là, celle de l'urgence alimentaire qui dure, bien qu'on ait une abondance de nourriture. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'alternatives, parce qu'ils sont clairement associés à la politique de l'État pour beaucoup de systèmes. Donc, notamment parce qu'il y a quatre grandes structures qui voient les fonds européens redistribués, qui sont la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Donc, on a cette redistribution qui est organisée. Donc, on n'est pas dans le cadre d'une alternative. Il y a tout un tas de petits acteurs alternatifs qui, eux, ne rentrent pas finalement dans la cour des grands de l'aide alimentaire. Et finalement, il y aurait ces alternatives, mais je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu mises à mal via, par exemple, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, où on voit finalement plutôt une stratégie d'aller vers de plus en plus de normes et de contraintes, ce qui ne correspond pas à la capacité des petits acteurs ou à finalement l'importance qu'il y avait dans des associations et des structures. Je pense que les Restos du Cœur fonctionnent en partie comme ça, de favoriser en fait toute une économie du bricolage et de la débrouille qui ne répond pas clairement aux normes. Alors bien qu'elles soient importantes pour certaines normes,
c'est pas ça, mais d'avoir une flexibilité. Aujourd'hui, on est dans une société où les liens sociaux sont complètement délités, et particulièrement dans le cadre de l'aide alimentaire, on en arrive à des situations où les personnes qui viennent chercher à manger sont orientées par les assistantes sociales. Donc ça veut vraiment dire que les personnes qui devraient jouer ce rôle-là ne savent plus faire, parce que les personnes qui sont orientées ne sont pas uniquement orientées pour venir chercher de la nourriture. Quand on observe ce qui se passe dans les centres, on voit que les propositions, elles sont multiples. Il y a bien sûr le fait de venir donner de la nourriture, mais il va y avoir la coiffure, il va y avoir bien sûr l'aide d'accès aux droits, il va y avoir le fait d'apprendre aux gens à se débrouiller au niveau informatique. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait, toutes ces non-accès des droits des personnes qui sont proposées au centre, dans des centres de distribution. Et qui viennent remplacer, en fait, en tout cas restituer du lien social. Pour les Restos du Cœur, le message principal qui est passé, c'est que le plus important, ce n'est pas de distribuer à manger, mais de serrer la main aux personnes, et finalement de tendre la main aux personnes pour vraiment lutter contre la fracture sociale. Donc le lien social, il est fondamental pour arriver à résister. Et aujourd'hui, peut-être l'inquiétude, elle vient là, c'est que ces liens sociaux, ils sont liés à ce que chacun met quand il s'engage en tant que bénévole. Et le fait de transformer au jour d'aujourd'hui l'aide alimentaire avec tout un tas de normes, on enlève aux personnes la possibilité, en tout cas aux bénévoles, de venir telles qu'elles sont et finalement d'insérer dans leur manière d'aider tout un tas de choses qui leur sont propres. Une façon de faire ou des contournements de la règle, etc. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui un risque. La loi Garot, elle est au cœur de ce risque, c'est-à-dire qu'elle vient donner tout un tas de normes, elle vient mettre en place la concurrence entre les différentes associations, la mise en place de nouveaux acteurs en fait, de distribution alimentaire, qui empêche ce bricolage. Et le bricolage, c'est ça qui fait que le lien social, il perdure, parce qu'il n'est pas contrôlable et parce qu'il n'est pas contrôlé. Alors la loi Garot, c'est la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça a été mis en vigueur à partir de 2014. C'est issu d'un rapport, sauf que le rapport Garot qui venait, par exemple, donner pas mal d'indications sur la réalité des besoins des personnes en situation d'aide alimentaire, il a été un peu oublié au profit de ces nouveaux acteurs qui sont entrés en scène, que sont les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on a repéré qu'il y avait énormément de gaspillage alimentaire et on s'est dit que la solution, ça allait être de donner cette nourriture aux personnes qui n'en avaient pas. Ce qui, pour moi, apparaît comme une vraie mauvaise solution. C'est-à-dire que l'accès, il ne doit pas se faire quand la nourriture elle arrive à l'état de poubelle et de déchets. Il doit être garanti bien avant. Sinon, on n'est pas dans le cadre d'un droit, on n'est pas dans le cadre d'une société équitable. En fait, on a deux poids de mesure. Et ce que la loi Garot permet, c'est l'apparition d'un marché de la faim. On redonne de la valeur et on crée des valeurs marchandes sur des produits qui l'avaient complètement perdu. Donc, pour la grande surface, elle est gagnante. Elle ne paye plus le fait de devoir détruire de la nourriture. Elle récupère une part de la TVA et en plus, elle bénéficie d'une défiscalisation. Pour l'association, elle est perdante. Elle qui finalement pouvait un peu fixer les règles du jeu auparavant, va être obligée de venir chercher la nourriture dans les conditions qui arrangent la grande surface et non pas par rapport aux besoins des personnes qui viennent se servir dans un centre de distribution, une épicerie solidaire ou à la maraude. Super. Et du coup, par rapport à votre recherche, est-ce que vous avez un... Alors, le CIVAM est un organisme professionnel agricole, à vocation agricole et rurale, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'économie de la ferme et d'économie de la rurale, d'économie du milieu, de l'environnement dans lequel la ferme existe et produit du travail pour celui qui l'a créé, qui l'amène. C'est un réseau qui regroupe autour de 12 000, 13 000 fermes, et il y a aussi des adhérents qui ne sont pas des agriculteurs, qui sont des habitants du milieu rural et qui sont intéressés
par la réflexion que nous menons sur l'activité rurale, sur l'économie rurale. Le réseau CIVAM est un regroupement d'agriculteurs entre 10 et 15 000 fermes suivant les années et les périodes. Donc ça, c'est à partir de cette connaissance de l'agriculture et sous diverses formes, diverses manières de produire et diverses manières de transformer et de vendre ces produits qu'on s'est posé la question de l'accès à l'alimentation. Et nous avons répondu à un appel d'offres du ministère et monté cette recherche-action qui est le projet Accessible que nous sommes en train de terminer là, depuis 4 ans maintenant pratiquement que le dossier est en cours. Pour répondre à des questions d'accès à l'alimentation de tous, qu'on considérait comme mal résolues ou surtout pas abordées par le système courant. Les premiers des constats qu'on a fait, c'est dans les années 80, on s'est rendu compte que les lois de modernisation agricole des années 60, 61, enfin les lois qu'on appelle loi Pisani, que vous avez sans doute étudiées par ailleurs, que ces lois Pisani là, avaient eu comme conséquence la disparition des paysans et la désertion du milieu rural, la grande concentration des fermes. Et du coup, nous n'avions plus de voisins. Les quelques personnes qui travaillaient encore à la... dans les fermes, nous considérions que nous n'avions plus de voisins. Et on a commencé à s'interroger, c'est le premier des constats, sur comment on pouvait faire face à cette disparition, cet appauvrissement du milieu rural. Le deuxième constat, c'est dans le courant de ces années-là, 70, 80, 90, c'est la difficulté dans laquelle se retrouvait l'agriculture face aux problèmes environnementaux, et notamment en Bretagne, de la qualité de l'eau qui se dégradait avec les pratiques agricoles très intensives. Quand on a fait ce constat là des difficultés environnementales, de la disparition des fermes, on est revenu interroger les fondamentaux de la loi de modernisation pour s'apercevoir que ce qui, dans cette loi de modernisation, contenait les échecs auxquels on faisait face, c'était que, entre autres, mais enfin c'était très fortement, que les tâches étaient séparées, que le travail était très divisé et que les tâches étaient séparées, qu'il nous était, nous revenait le rôle de produire la matière première que d'autres transformaient d'ailleurs et vendaient, et que surtout d'autres se souciaient des problèmes environnementaux qui pouvaient arriver. Et c'était une fonction qui ne nous regardait pas, pour laquelle on n'a pas été formé, personne ne recevait d'enseignement à ce sujet-là. Grosso modo, l'environnement était un support de nos activités, mais ne venait pas interférer avec la volonté qui était de moderniser à coup de machines et d'investissements. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose dont on était séparés, et là on vient de le découvrir, et c'est ça qui nous a amené à poser la question qu'on essaye de résoudre par Accessible, c'est que de la même façon qu'on nous avait enjoint de ne pas nous soucier de problèmes environnementaux, on nous avait aussi enjoint de ne pas nous soucier de problèmes sociaux, et donc de ne pas chercher à savoir qui mangeait ce que l'on produisait. C'était à d'autres, qui s'appellent publicitaires ou nutriciens ou ce que vous voulez, c'était à d'autres de résoudre ce problème-là et de faire en sorte que le corps social avale ce que nous produisions. Il fallait que l'environnement supporte ce que nous produisions et que le corps social l'avale. Donc nous, on était producteurs de minerais en quelque sorte. Enfin, c'est une expression qui était utilisée hein, dans le milieu agricole, que d'autres transformaient. Et l'environnement, on a pris conscience des impasses dans lesquelles on était en évacuant cette question, en la laissant porter par d'autres. Et la question sociale, aujourd'hui, elle est face à nous, cruelle. Il y a énormément de gens qui sont insatisfaits de leur alimentation, et c'est ça qui nous a amenés donc, à formuler la question d'Accessible pour essayer de trouver des réponses à cette insatisfaction. En France, une personne sur cinq, donc vous diviserez, ça fait grosso modo plus de 10 millions de personnes qui sont en une insécurité alimentaire. On a aussi constaté qu'il y a 5,5 millions de personnes minimum, ça ce sont les chiffres du ministère, en 2017, qui bénéficiaient, qui ont eu recours à l'aide alimentaire. En plus, il y a une grande partie de Français qui, sans être dans l'insécurité alimentaire, sont dans l'insatisfaction alimentaire, c'est-à-dire ont des revenus qui leur permettent d'acheter leur nourriture, mais ne peuvent pas, pour tout un tas de raisons, mais notamment celle des revenus, qui n'est pas la seule, ne peuvent pas acheter ce qu'ils souhaitent manger réellement. L'agriculture, c'est un exercice, un métier, on peut même dire que paysan, c'est un état, mais l'alimentation est un fait social total puisqu'il met en jeu l'humanité même. Enfin, c'est ce que nous sommes chacun et ce que nous sommes tous ensemble.
pour nous, les enjeux principaux de ce travail, c'était de rompre ce constat de départ, cette volonté initiale de modernisation par la séparation des tâches, qui voulait que certains consomment et d'autres produisent, et qu'entre les deux, il y a des gens dont le travail est de faire admettre par les uns ce que fabriquent les autres. L'enjeu pour nous, il est de briser cette double ignorance-là, qui est structurelle à la méthode moderne de production, et de redonner la parole et aux uns et aux autres, et de faire se rencontrer et les uns et les autres. On est ici au Palais de la Femme, qui est un établissement parisien de lutte contre la pauvreté urbaine à Paris, qui dépend de l'Armée du Salut, et qui, je ne sais pas si je reste toujours, là je commence à me fatiguer. Et donc, nous avons travaillé dans le cadre d'Accessible avec ce lieu-là et les travailleurs sociaux et les 400-450 personnes qui résident dans ce lieu-là, qui sont des personnes très appauvries, avec des revenus très faibles, voire inexistants, et qu'il faut bien nourrir, et qui étaient il y a 4 ou 5 ans nourries de manière, en tout cas une partie d'entre elles, puisque ce sont essentiellement des femmes, et une partie d'entre elles extrêmement mauvaise, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire, puisque une partie de la nourriture était donnée, était directement jetée à la poubelle. Donc c'est quand même un constat assez difficile par des gens qui n'avaient quasiment pas de revenus. Donc là, il y aurait vraiment une question fondamentale de comprendre quel est le mécanisme qui fait que même quand on est dans une grande difficulté, dans une insécurité alimentaire terrible, on trouve encore des ressources pour aller se nourrir autrement que par de la charité de mauvaise qualité. On a mis en place ce qu'on appelle l'accueil sur les fermes, donc l'accueil social notamment, c'est ce que je pratiquais sur mon exploitation, c'est-à-dire qu'en plus de produire de la nourriture, j'accueillais sur la ferme des gens, alors des jeunes qui étaient sous main de justice et que le juge plaçait sur une ferme plutôt que de les mettre en prison, quelquefois ils finissaient en prison tout de même, ou des gens, pour ce qui me concerne, mais d'autres c'était des personnes en retraite ou qui ne pouvaient trouver pas de place dans les EHPAD ou des personnes handicapées qui ne voulaient plus aller dans leur foyer. Ah, donc, il y a toute une population en France de personnes qui relèvent d'une manière ou d'une autre des services sociaux et qui cherchent à vivre dans des lieux autres que ceux auxquels on les assigne. Et moi, j'ai accueilli des personnes qui venaient de ce lieu ici, du Palais de la Femme, pour des séjours de 15 jours sur la ferme, comme j'en ai accueilli d'autres qui venaient d'autres foyers de la région parisienne ou des quartiers populaires de la ceinture parisienne aussi sur la ferme. Donc quand on s'est posé la question de l'accès à l'alimentation, on a retrouvé en face de nous les interlocuteurs avec lesquels on travaillait depuis 20 ans, qui sont les interlocuteurs du travail social et qui, comme dans cette maison-ci, étaient en peine sur les questions alimentaires et avec lesquels nous avons réfléchi, alors, dans le cas précis ici, de la transformation d'un self, dont je vous disais tout à l'heure que la nourriture fournie était vraiment en dessous de tout, en cuisine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les visiter, mais bon, dans le même espace, les gens ici ont mobilisé de l'argent, du temps, et ont construit des plans de travail individuels pour que les personnes puissent cuisiner. On les a accompagnés là-dedans. On s'est aussi, à cette époque-là, et on est dans le local qui leur sert, mis en relation avec une épicerie sociale qui vient ici une fois par semaine maintenant, et il y a des produits là sur la table à côté, mettre à disposition des personnes du Palais de la Femme et probablement aussi du quartier à côté, des produits qui sont vendus, je crois que c'est à 30% de leur prix de magasin. Et puis, il y a aussi, alors, ils étaient là encore il y a 2 mois, donc ça, c'est une expérience qui se prolonge. Il y a aussi une ruche kiwi qui passe une fois à temps ici au palais, qui s'est installée, qui donc s'adresse, elle, aux gens du quartier, dont l'échange a lieu ici, dans le hall d'entrée du bâtiment.